Bonjour et bienvenue à ce nouvelle édition de Réaction FR. Réaction CFR, c'est quoi? C'est qu'on nous regardons, analysons, nous critiquons des vidéoclips qui sortent sur YouTube, généralement de plusieurs styles de musique. On y va plus dans le rock puis dans le metal, mais des fois on y va dans le pop ou on peut y aller aussi dans les classiques. Et puis là, le numéro 2 des tendances sur YouTube présentement, c'est un nouveau clip surprise de Rolling Stone, le groupe légendaire de Rolling Stone. Et puis, ils viennent de sortir une chanson qui se nomme Living in a Ghost Town. Ça a été enregistré à Los Angeles puis à Londres. Et puis, ils ont terminé l'enregistrement en confinement à Londres. Et puis, les musiciens. Comme Mick Jagger, il a expliqué que c'était le temps de sortir de cette chanson-là parce que c'était comme le timing était bon, tu sais, vivre dans une ville fantôme. Et donc, pendant le lockdown, pendant le fait que tout le monde est enfermé chez eux en confinement, eh bien, c'était pour eux autres le meilleur temps possible pour sortir cette nouvelle chanson. Donc, on va jeter un œil là-dessus. C'est la première fois en 8 ans que The Rolling Stones sort une nouvelle chanson originale. Donc, je sais pas que ça donne, ça a de l'air. J'ai jamais été un grand, grand, grand fan des Rolling Stones, sauf que, comme tout le monde, tu sais, je crois que je respecte ce groupe-là. C'est un groupe légendaire, c'est un groupe qui a son importance dans l'histoire du rock. Et puis, le seul fait qu'ils sont tous rendus pas loin de 80 ans, puis ces gens-là continuent à faire de la musique par passion, parce qu'ils aiment la scène, parce qu'ils aiment enregistrer, parce qu'ils aiment se rencontrer, créer, être en studio, enregistrer la musique, composer de la musique. C'est encore une passion pour eux autres. Et puis, c'est plus que c'est pas un travail, c'est une passion, c'est qu'ils aiment être ensemble, jouer de la musique. Et puis ça leur a toujours mon respect. Donc, c'est ça, on y va. The Rolling Stone, Living in a Ghost Town. Je suis déjà allé en Angleterre en 2015-2016, si je me souviens bien. C'était dans le cadre pour aller voir un show de Baby Metal au Wembley Arena. Et puis justement, on avait profité de l'occasion pour visiter là, Londres et puis ses environs. Puis c'est une ville magnifique. Et puis c'est vrai, si vous êtes nouveau sur la chaîne, c'est une chaîne où est-ce que je vais couper ça, le clip pour dire mes impressions. Donc, ce que vous faites, c'est enregistrer les vidéos critiquées. Si vous voulez écouter la toune en entier, puis la mettre dans votre banque de données, eh bien, vous allez sur ma chaîne, les vidéos critiquées, et puis vous allez avoir accès à la chanson. Et puis, vous allez pouvoir l'écouter comme vous voulez. Donc, c'est ça. J'avais été à Londres dans le temps pour aller voir Baby Metal. Et puis, c'est une belle ville. Puis, en tant que Québécois, je suis déjà allé en France plus jeune. Et puis, en tant que Québécois, je me suis senti mieux à Londres. Je me suis senti plus chez moi à Londres qu'en France. Même si en France, ça parle français. Puis, à Londres, ça parle anglais. Je pense que les Québécois, on a encore un peu de sang britannique en nous. Puis quand on va à Londres, on le sent, ça. Ghost town. Yeah.
que j'aime, c'est vraiment rock, là, c'est bluesé, c'est rock, puis tu sais, c'est quand même, là, comment je pourrais dire, là, c'est pas, comment je pourrais dire, c'est pop, là, mais c'est pas très pop, justement, c'est quand même bluesé, rock, c'est pas, c'est quand même, c'est quasiment, c'est pas heavy, là, mais tu sais, c'est comme très, très, très rock, là, très rough comme son, j'aime beaucoup ça. Wow, c'est beau ça. Même que si vous êtes québécois, vous regardez ce clip-là, vous voyez des images un peu de Londres ou dans de l'Angleterre, vous pouvez voir que ça ressemble à, un peu beaucoup à des au vieux Montréal, à l'intérieur des portes, dans le vieux Québec. Super bon feeling là, c'est une très bonne tune de Rolling Stone là. Je suis même très surpris. Je pensais avoir quelque chose de moins électrique que ça, puis c'est quand même très, c'est bien, c'est très rock, c'est très blues comme je disais tantôt. Puis je suis agréablement surpris par cette nouvelle chanson là. Colin, c'était une excellente chanson. C'est un bon petit blues rock. C'est un peu sale aussi, comme on aime de Rolling Stone. C'est un groupe qui, même à travers, même à travers les années, c'est à travers les décennies, qui a su rester au top du monde de la musique. Et puis, c'est un groupe qui ne vieillira jamais. Ça va tout le temps être un groupe classique. Puis c'est un groupe aussi, même après le décès de ses membres, qui va rester dans les mémoires de tous les passionnés de musique du monde entier. Et puis, c'est un des groupes que si tu connais la musique ou si tu aimes la musique, tu as sûrement entendu un jour dans ta vie une tune de Rolling Stone. Et puis, c'est un groupe universel qui traverse les années, qui traverse les cultures, qui traverse les pays, les régions et qui traverse notre histoire. Donc, encore excellente chanson. La première en 8 ans. The Rolling Stone, Living in a Ghost Town. Et puis, si vous avez aimé, vu probablement que j'attire une nouvelle peut-être clientèle avec ce clip-là, parce que je fais pas beaucoup de groupes classiques de même,
Eh bien, si vous avez aimé ce que je fais, ce que vous faites, vous cliquez le petit clic bleu de même, un petit pouce bleu, ça, ce que ça fait, c'est que ça fait que moi, mes vidéos vont monter dans l'algorithme de YouTube. Et puis, je vais probablement commencer à apparaître un jour dans les suggestions YouTube, soit dans la sidebar ou en arrivant. Si vous avez aimé ce que je fais, faites vous abonner. Et puis, si vous avez. Hey, wow, c'est donc bien ce qu'il a fait. Je veux le suivre, je veux savoir ce qu'il fait, etc. Donc, je sors régulièrement des vidéos, comme aujourd'hui, j'en ai sorti deux. Et puis, j'en sors environ, là, pas loin d'une dizaine par semaine. Donc, faites ça. Tout ce que ça va se faire, vous allez recevoir des notifications sur votre cellulaire, puis sur votre YouTube. Et puis. En bas du vidéo, ben j'ai tout. Si vous voulez me supporter, j'ai un PayPal, j'ai un Patreon, puis j'ai toutes sortes de crypto. Vous voulez m'envoyer 1 piastre, 2 piastres. Ça, je ne travaille pas depuis 1 mois et demi. Je suis en confinement. Je suis comme ben du monde, je crois, là. Je suis pas mieux que je suis pas pire, puis je suis pas mieux que tout le monde. Et que, ça. Fait que si vous avez un petit 2, 3, 4, 5 piastres, ben faites-vous plaisir, puis envoyez-moi ça par PayPal, par mon Patreon. Pouvez-vous vous abonner à mon Patreon? Je peux même faire des vidéos spéciales pour vous si vous voulez. Fait que c'est cela. C'était Réaction FR. J'espère que vous avez aimé ça. Et puis on se dit à la prochaine.